Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mystère glorieux. Sur le fronton du mont Saint-Odile, nous pouvons lire les paroles latines « Ici fleurit jadis la sainte abbesse Odile, et toujours elle règne en mère de l'Alsace. » Les mystères glorieux du rosaire nous donnent de contempler comment les fleurs du salut se sont épanouies en Odile jusqu'à l'apothéose, et comment la rédemption a produit en elle ses plus beaux fruits. Le jour où Odile rencontre un malade assoiffé sur le chemin entre le couvent de la Hohenbourg et de Niedermünster, elle frappe un coup contre le rocher dont coule alors un filet d'eau. Odile forme une écuelle avec ses mains et porte de l'eau au malade. En nous confiant à elle, Odile renouvelle le geste pour nous. Elle joint ses mains pour que le Christ les remplisse de sa grâce et elle vient nous la porter pour nous désaltérer. Merci, Odile, d'être ce que tu es. Merci, Odile, d'être pour nous ce que Dieu a voulu que tu sois. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection de Jésus. Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. La douceur de l'étreinte de Jésus est réservée au paradis. Ici-bas, encore en chemin vers le royaume, Marie-Madeleine ne goûtera plus la joie de la proximité de Jésus, qui lui communique les paroles de la vie éternelle. Il lui faut désormais chercher et trouver son Jésus dans l'intimité de son âme où il a établi sa demeure. Madeleine devra vivre dans la foi de la présence de Dieu en elle, dans son âme, et de sa présence dans la fraction du pain, comme il l'a montré aux disciples d'Emmaüs, où il est réellement présent et agissant. Leur cœur était alors tout brûlant en eux. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est la béatitude pascale par excellence. Odile a cru sans avoir vu, avant même d'avoir vu. Elle a été baptisée alors qu'elle avait environ 14 ans. Elle y avait été préparée par les religieuses et elle croyait en Jésus. À son baptême, le Christ achève l'œuvre qu'il a commencée en elle en ouvrant les yeux de son âme, en ouvrant son âme à l'intelligence des Écritures, en allumant en son cœur le feu de l'amour divin, comme il le fit pour les disciples d'Emmaüs lors de la fraction du pain. Lorsque le prêtre lui demande de professer sa foi, elle n'a pas besoin de recourir à un parrain ou une marraine. Ce qui ne signifie pas qu'elle n'en avait pas, mais elle put répondre par elle-même « Oui, je crois en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Oui, je renonce à Satan et à ses pompes. » Et toute sa vie durant, elle est restée fidèle à ses engagements baptismaux. Avec Odile, notre sœur dans la foi, demandons la grâce de la fidélité aux promesses de notre baptême. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Deuxième mystère glorieux, l'ascension de Jésus. À l'ascension, alors que Jésus disparaît dans la nuée en bénissant les apôtres, deux anges apparaissent qui disent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Le chrétien est en attente de la rencontre du Christ à sa mort lors du jugement particulier et à son retour dans la gloire à la fin des temps lors du jugement dernier. Face à ces deux événements, il est rempli d'une sainte espérance car c'est alors qu'il verra la réalisation de ce que lui promet la foi. Et c'est dans cette espérance joyeuse
de l'union définitive avec le Seigneur, qui le fait fouler cette terre d'un pas alerte, qu'il garde les yeux levés au ciel, les mains toujours à l'ouvrage et les pieds bien sur terre. Comme les vierges sages de la parabole, Odile a vécu dans l'attente de la rencontre du Seigneur. Jamais elle n'a déposé la tenue de service. Toujours elle a porté le vêtement des noces. Dans sa vie, tout est ordonné selon les volontés du Seigneur. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous ai commandé. Odile était l'amie de Dieu. Elle s'endort paisiblement le 13 décembre 720, entourée de ses sœurs. La tradition nous dit qu'elle envoie les sœurs prier à la chapelle et que c'est une fois seule qu'elle rend sa belle âme à Dieu. Elle voulut épargner à ses sœurs le chagrin de la séparation et être seule avec Jésus au moment de leur rencontre, comme lors d'un rendez-vous amoureux. Lorsqu'elles reviennent, les sœurs la trouvent sans vie. Réalisant qu'elle est morte sans communier une ultime fois, l'une des religieuses s'agenouille. Et dans une prière simple mais confiante, elle s'écrie « Mon Dieu, faites que notre mère revienne un instant parmi nous. » Voilà qu'Odile ouvre les yeux et regarde les sœurs groupées autour d'elle. « Pourquoi venez-vous troubler mon repos ? J'étais déjà dans un lieu de délices. » Tout doucement, Odile gronde les sœurs de l'avoir détournée, ne serait-ce qu'un instant, du chemin du ciel. Mais elle comprend le sujet de leur crainte. Puisqu'il en est ainsi, que notre Seigneur daigne une dernière fois descendre en moi par son Eucharistie, ainsi je pourrai mourir en sa grâce. Odile se redresse et s'agenouille sur sa couche. On va quérir le vase sacré où sont conservées les saintes hosties. Comme c'était la coutume alors, Odile le reçoit dans ses propres mains et se communie. Puis elle se laisse retomber sur sa couche. Elle ferme les yeux et rend son dernier soupir. Elle meurt avec Jésus dans son cœur. Quelle mort bénie. Avec Odile, notre sœur dans l'espérance, demandons la grâce de vivre en étant toujours prêt à rencontrer le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Troisième mystère glorieux, la Pentecôte. Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette force, c'est l'Esprit Saint, avec ses sept dons, la sagesse, l'intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la crainte. C'est l'Esprit Saint qui donne au prophète Ézéchiel de se tenir debout et de trouver le courage de s'adresser au peuple. C'est lui qui donne à Marie de se tenir debout dans la foi au pied de la croix de Jésus. Toute l'œuvre accomplie par Odile et ses religieuses, par sa sœur Rosevinde, ses nièces Attal, Eugénie et Gwendelinde, est celle de l'Esprit-Saint. Sans lui, rien de ce qu'Odile a accompli n'aurait pu l'être. Cette œuvre demeure vivante et intacte après 1300 ans, malgré les turpitudes de l'histoire, les saccages lors des invasions, lors de la réforme, de la révolution. Les reliques d'Odile ont dû être mises à l'abri à deux reprises, mais à chaque fois, elles ont retrouvé leur place dans le mont vers lequel les Alsaciens n'ont jamais cessé de converger. Par Odile,
notre sœur dans la mission, demandons de nous tenir debout face aux oppositions du monde et d'annoncer avec intrépidité la bonne nouvelle du salut à toute la création. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours,
et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de Marie. C'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Marie a été fidèle en toutes choses. Aussi entre-t-elle, corps et âme, dans le séjour de gloire de Jésus, qui est tout autant son Fils que son Sauveur. En elle, Dieu est exalté et magnifié. En elle, la rédemption est parvenue à son terme. Marie est pleinement et parfaitement sauvée. En elle, nous contemplons notre propre devenir et trouvons toutes les raisons de notre plus fervente action de grâce. Oui, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Oui, elle est digne de tout notre amour, celle par qui le salut est venu jusqu'à nous, celle qui s'est tenue debout auprès de l'autel sur lequel l'agneau sans tache a été immolé. Même s'il n'y a rien d'écrit à ce sujet, toute la vie d'Odile témoigne de son attachement à Notre-Dame. En effet, elle ne pouvait pas ne pas aimer la mère de celui que son cœur a choisi et vivre à son imitation. Quand on aime quelqu'un, on aime aussi ceux qui l'aiment. Odile a vécu selon le modèle de Marie, le modèle de toutes les vierges consacrées. Et elle a choisi elle-même de consacrer la première chapelle du Mont Saint-Odile à Marie, la Mère de Dieu. La chapelle actuelle est dédiée à Notre-Dame en son Assomption. Lorsque nous venons adorer Jésus Eucharistie au Mont, nous le faisons sous les regards de Marie et d'Odile, unis dans leur amour de Dieu et de l'Église, qui nous accompagnent et nous soutiennent de leurs prières. Avec Odile, notre sœur dans l'amour de Marie et de l'Église, demandons la grâce de la persévérance finale pour nous et tous ceux qui nous sont confiés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de Marie dans le ciel. Marie est reine, mais sa royauté n'a rien de commun avec celle des potentats de cette terre. Sa gloire surpasse et de loin celle de toutes les reines de la terre réunies. Et pourtant, elle use de sa toute-puissance comme l'humble servante de Nazareth qu'elle est restée. Elle est une reine servante qui met toute sa puissance au service de la gloire de Dieu et de notre salut. En son couronnement, nous contemplons la récompense accordée à tous ceux qui, comme elle, suivent l'agneau partout où il va. Au ciel, le juste se repose de ses travaux, car ses œuvres continuent ce qu'il a commencé. Sur terre, Marie n'a semé que des bénédictions, dont chacun d'entre nous ressent les effets. Elle a dit oui
à l'appel de Dieu pour devenir la mère du Sauveur. Elle a donné au monde celui qui nous a tous sauvés. Elle a contribué, plus que tout autre, à notre rédemption, par son union totale à Jésus et à sa mission, en se laissant pleinement sauver par lui. Par son oui, sans réserve aucune, à sa vocation, elle a rendu toute gloire à Dieu et a contribué directement au salut de toutes les âmes. En suivant l'appel de Dieu, en réalisant sa vocation, Odile est devenue une source de bénédiction pour nous tous, qui nous confions à son intercession. En suivant son exemple, nous trouvons Jésus et lui donnons de nous sauver. Saint Léon IX, le pape alsacien, représenté dans l'un des vitraux du cœur de la basilique du Mont, l'élève à la gloire des autels. Et le pape Pie XII la proclame patronne de l'Alsace en 1946. 1300 ans après s'être endormie dans le Christ, Odile continue de régner sur l'Alsace et de la combler des plus larges bénédictions, de la protéger dans le danger. En Église, ne cessons d'aller à Odile pour qu'elle nous mène à Jésus, le seul sauveur des hommes, et à Marie, la médiatrice de toutes les grâces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Dieu le Père, Créateur du ciel, ayez pitié de nous. Fils de Dieu, Rédempteur du monde, ayez pitié de nous. Dieu le Saint-Esprit, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié de nous. Sainte Marie, Reine des Vierges, priez pour nous. Sainte Odile, qui êtes née aveugle et avait reçu la vue avec la grâce du baptême, priez pour nous. Sainte Odile, enfant du miracle, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait souffert de rudes épreuves dès votre naissance, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait fait dès votre enfance de grands progrès dans la vertu, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait quitté le monde pour vous consacrer à Dieu, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait avant tout recherché le royaume de Dieu, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait fondé un célèbre couvent de vierges, priez pour nous. Sainte Odile, modèle de toutes les vertus chrétiennes, priez pour nous. Sainte Odile, mère des pauvres, priez pour nous. Sainte Odile, consolatrice de tant de malades, priez pour nous. Sainte Odile, refuge des malheureux, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait répandu tant de bienfaits, priez pour nous. Sainte Odile, qui aviez le don de toucher les cœurs, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait délivré l'âme de votre Père des flammes du purgatoire, priez pour nous. Sainte Odile, par qui Dieu a opéré plusieurs miracles, priez pour nous. Sainte Odile, puissante protectrice de l'Alsace, priez pour nous. Sainte Odile, modèle des personnes consacrées à Dieu, priez pour nous. Sainte Odile, directrice des gens du monde, priez pour nous. Sainte Odile, refuge des peuples dans les calamités publiques, priez pour nous. Sainte Odile, miroir des vierges, priez pour nous. Sainte Odile, trésor des grâces, priez pour nous. Sainte Odile, qui avait laissé à l'Alsace le souvenir de vos vertus comme un excellent héritage, priez pour nous. Sainte Odile, qui nous protégeait du haut du ciel où vous êtes placés, priez pour nous. Sainte Odile, à jamais bienheureuse dans le sein de Dieu, priez pour nous. Soyez-nous propices, pardonnez-nous, Seigneur, de tout mal, délivrez-nous, Seigneur, de votre colère, délivrez-nous, Seigneur, de l'esprit d'impureté, délivrez-nous, Seigneur,
de la mort éternelle, délivrez-nous, Seigneur. Du mépris de vos divines inspirations, délivrez-nous, Seigneur. Par le mystère de votre sainte incarnation, délivrez-nous, Seigneur. Par votre naissance, délivrez-nous, Seigneur. Par votre enfance, délivrez-nous, Seigneur. Par votre sainte vie, délivrez-nous, Seigneur. Par vos travaux, délivrez-nous, Seigneur. Par vos souffrances et votre agonie, délivrez-nous, Seigneur. Par votre sainte croix, délivrez-nous, Seigneur. Par votre mort et votre sépulture, délivrez-nous, Seigneur. Par votre résurrection, délivrez-nous, Seigneur. Par votre ascension, délivrez-nous, Seigneur. Par vos joies, délivrez-nous, Seigneur. Par votre gloire, délivrez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, pardonnez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, écoutez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Jésus-Christ, exaucez-nous. Priez pour nous, Sainte Odile, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions, ô Dieu, la vraie lumière qui, par un miracle de votre toute-puissance, avait rendu la vie à la bienheureuse Vierge Odile qui était née aveugle. Faites, nous vous en supplions, que d'après son exemple et par son intercession, détournant nos yeux de la vanité du monde, nous méritions de vous contempler face à face dans la gloire céleste pour les siècles des siècles. Amen. Sainte Odile, dans notre nuit, aidez-moi et priez pour moi. Éveillez en moi la lumière, celle des yeux, celle du cœur. Princesse de notre terre, vous que le baptême a guéri, sainte devant le Seigneur, présentez-lui notre prière. Ouvrez notre regard sur la vie, nous qui vivons dans les ténèbres, vous que le Christ a relevé, pour nous mener vers sa lumière. Sainte Odile, ouvrez nos yeux, aujourd'hui sur notre terre. Venez aider autour de moi ceux qui cherchent la lumière. Princesse des malvoyants, aidez-moi et priez avec moi. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.